l'air. Tocha est comme président de la République. Comment est-ce que tu as un kuluna, un kuyakuya? Pour tocha est mon cousin Yamboka. Régime où tu connais, tu as un batoukola, tu as un Mumbi. Un officier militaire, un officier général militaire, mais qui n'a même pas reçu une formation militaire. Assali déclaration à moment nini, assali déclaration moment après rencontre à Bati Lukwebo na Ambongo, après rencontre à Ambongo na Mbo Sonkodia, ndeba déclaration à Yokobima, ya nazali contre nini, nazali contre enrôlement na identification, pour qu'on soit temps ébélé, ba village rosalé ébélé, ba territoire ébélé, et recensement tout ça l'envoie avant l'élection, parce que na Kabila tout est maquillé en 2011. Ça c'est quel commentaire? Nazali na constitution, nazali na loi. Organique portant organisation et fonctionnement de la commission électorale indépendante. Nazali nango tokotanga awa. La constitution nous stipule, il faut identifier les peuples congolais et les recenser les peuples congolais avant d'arriver aux élections. Et nous avons aussi la loi électorale. Bino bato bo finga biso, boya boya go prouver pe ba loi na plateau ba sangwa Congo. Boso bango wana. Si Fridolin Ambonga zui, tant ko benga bango. Et les invités de marque, na réunion au Ambongo, ben ici, ba député, na ba sénateur, na invité de marque, c'est qui? C'est Bati Lukwebo, na Mboso. Tous contre le président de la République. Bonjour, peuple congolais. Bonjour, bande konyoso. Balanda Rabiso, na Katia Basangwa Congo. C'est avec beaucoup de regrets. Avec beaucoup de regrets, s'il vous plaît, na zo salabino émission. Avec beaucoup de regrets. Nous sommes vraiment dans quel pays? Mon fils n'a pas bisoté. Il y a un an à la diplomatie. Diplomatie, n'a pas dit qu'elle est le président de la République. Diplomatie, n'a pas dit qu'elle est l'institution. Là, il y a un combattant de la rue. Il y a un combattant à Balabala. Il y a un combattant à bureau climatisé. Ce qui est là, ma colonne, c'est là. Mais il y a un trahir mon canalaté. Parce que ceux qui ont une génération qui ont assimé, qui ont assimé, qui ont attaqué, qui ont attaqué, qui ont attaqué, qui ont attaqué, qui ont pourquoi ont attaqué, qui ont esclavagé? Attends, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je ya Congo, je suis là, je suis là, je suis là, jamais mon président de la République. Ça, je mets non, je ne peux pas, je mets ma tête à couper. Déclaration à sali déclaration à moment nini à sali déclaration moment après rencontre à Bati Lukwebo na Ambongo après rencontre à Ambongo na Mbo Sonkodia ndeba déclaration à Yokobima ya nazali contre nini nazali contre enrôlement na identification pour qu'on soit temps ébélé ba village rosalé ébélé ba territoire ébélé et recensement tout ça l'envoie avant l'élection parce que na Kabila tout est maquillé en 2011. Ça c'est quelle comédie? Ça c'est quel politicien tout ça la bango na Mboka? C'est quoi au juste? C'est quoi? Et le complot! Complot au Ambongo Azoluka! Complot au Utembi Azoluka! Complot au Donassé Chole Azoluka! Contre le président de la République! Et Zali, une précipitation élection pour écarter le président de la République! Pour écarter le président de la République! On a des complots dans Bango Bako Sala. Nazalina constitution, nazalina loi organique portant organisation et fonctionnement de la commission électorale indépendante. Nazalina ngotokotanga awa. La constitution nous stipule, il faut identifier les peuples congolais et les recenser les peuples congolais avant d'arriver aux élections. Et nous avons aussi la loi électorale. Bino bato bo finga biso, boya boya go prouver pe ba loi na plateau ba sangwa Congo. Fridolin Ambongo na kosi siko na katikati emission nanga. Fridolin Ambongo abengi si ba député, abengi si ba sénateur, ba onyo so bazana foi catholique avec quelle mission? Mission bazota la CENI. Complot yango oyo ya zana nyongo ya 40,000 smartphones oyo azana nyongo ya union européenne coup d'état ngo ya za ko préparer
Le col va rater coup d'état physique pour éliminer la personne du président de la République. Va rater coup d'état constitutionnel. Va monique tes okende. Va commis pressé na l'élection. L'élection va zo senga. Va lingite tokende na identification. Va lingite tokende na na recensement. Va lingite to respecter loi organique. Va lingite bato respecter constitution de la République démocratique du Congo. Tokende ka bongo pote bango baza basango. Pote za mongo. Et t'as la distraction, bah, même la peuple congolais. Oh, la moukana, na nini, na seni, baza contre, baza, baza, tambola ensemble, bako sabino te peuple congolais. Bazali ko tambola ensemble. Et zali organisation à l'it na bango bako sala. Comment est-ce que tu es carte président de la République? Yo Martin Fallou salaboy. Biso batala ya senuko, ambongo, toko salaboy. Peuple congolais, la mouka. La mouka. Ndemo zana poto zana yo fini abiso na ba commenter ce n'est pas bana wana bana sans été batanga terre mais néanmoins tozo luka moyo to défendre ta mibeko amboka tozo défendre Fatih lokola ba dialoguiste terre mais tozo défendre président de la République conforme aux lois établies conforme aux lois et principes établis tozo bana loyengete sigo botuna bato bazo fini abiso ba combattant de la rue bato bako fini abiso bata balabala. Bato bako finga biso nani nanu na debi emission nga na uchi wa yebisa bino ke memo papa basi lukwebo na komi go suspecte nana nga libre na loba kome si kakosa la contre identification kome si kakosa la contre le recensement koma e pourquoi quelles sont des raisons e pousse eto sa la recensement te un peuple congol titre 5 na yebisa bino ke makambo yu biso tolbageza la solo titre 5 des institutions d'appui à la démocratie. Chapitre 1er de la Commission électorale nationale indépendante. Article 211. Il est institué une commission électorale nationale indépendante dotée de la personnalité juridique. La Commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation du processus électoral, notamment de l'enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, des dépouillements et de tout référendum. Elle assure la régularité du processus électoral et référendaire. Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Et cette loi organique gèle Yangwana. Article chapitre 2 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. À son article 9, la CENI a pour mission, peuple congolais bolandanga, peuple congolais bolandanga. Ça c'est la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. On a aussi autant en article 5. De la constitution, on va passer sur rôle, il y a la commission électorale. Maintenant, dans l'alinéa 2, dans l'alinéa 4, il y a titre 5, bah, le bien une loi organique fixe l'organisation et fonctionnement de la commission nationale, de la commission électorale nationale indépendante. Cette loi, il y a Wande Nana Kotanga, dans l'article, il y a loi, on a article 9. La CENI a pour mission d'organiser en toute indépendance, neutralité et impartialité des scrutins libres, démocratiques, transparents, dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République. Mais qu'est-ce que dit le règlement de la République? Qu'est-ce que dit la loi de la République? Tant que nous même besoin d'attaquer qu'élection, élection, est-ce que tout ça n'a mis électoral pour attaquer? C'est que vous-même vous violez les règlements, c'est que vous-même vous violez les lois, c'est que vous violez la constitution. Or, article 9, il y a la loi électorale et lobby. À cet effet, elle exerce les attributions ci-après. Organiser et gérer les opérations préélectorales, électorales et référendaires.
et référendaires, notamment l'identification et l'enrôlement des électeurs, l'impression et la distribution des cartes d'électeurs, l'établissement et la publication des listes électorales, la réception des candidatures, les votes, les dépouillements, la centralisation et l'annonce des résultats provisoires par circonscription ainsi que la publication de ces résultats par bureau de vote avant le traitement des contentieux électoraux. Transmettre les résultats provisoires à la juridiction compétente pour proclamation des résultats définitifs. Passer des marchés afférents aux opérations préélectorales, électorales et référendaires conformément à la législation en vigueur. Contribuer à l'élaboration du cadre juridique relatif au processus électoral et référendaire. 5. Élaborer les prévisions budgétaires et les calendriers relatifs à l'organisation des processus électoraux et référendaires. 6. Vulgariser en français et en langue nationale les lois relatives au processus électoral et référendaire. 7. Coordonner la campagne d'éducation civique de la population en matière électorale, notamment par la réalisation d'un programme d'information et de sensibilisation des électeurs en français et en langue nationale. Assurer la formation des responsables nationaux, provinciaux et locaux chargés de la préparation et de l'organisation des scrutins électoraux et référendaires. 9. Élaborer et vulgariser un code de bonne conduite et des règles de déontologie électorale. Découper les circonscriptions électorales, ça se dit, au prorata des données démographiques actualisées. Déterminer et publier les nombres et les localisations des bureaux de vote et des dépouillements ainsi que ceux des centres locaux de compilation des résultats par circonscription électorale. 12. Veiller à la régularité des campagnes électorales et référendaires. 13. Examiner et publier les listes des candidats. 14. Accréditer les témoins, les observateurs nationaux et internationaux. 15. Garantir à tous les candidats le droit et la liberté de mener la campagne électorale. 16. Garantir à tous les électeurs le droit et la liberté de voter. Où est le problème? Ça, ce que je viens de lire, c'est la loi organique qui porte l'organisation de la CENI. Et l'autre là, c'est la constitution de la République démocratique du Congo. Et la constitution, et la loi organique de la CENI, est-ce que ça donne pouvoir à Fridolin Mbongo pour aller précipitamment aux élections? Et bien, qui plus vite en besogne, pour que nous obéissons ça, même calendrier, la date, il y a un dépôt, il y a une candidature. Or, que c'est la CENI qui a le pouvoir de le faire, chers compatriotes. Même si il y a un Moutango. Même si il y a un Moutango à Zamabé. Kabila a l'équipe pendant 18 ans en Boka Oyo. Et l'on a tigé les batouka à la poubelle. A tigé les batouka à la Paris foot. Le l'on qui nous met comme une qui chasse le col à Kolokota. Bala mi bali, bazo bala soute, tous on est des célibataires. On va se la moussala, moi yo zwa ta moua gos, ta moua moutouka, exate. Même moi, qui est à 4000 euros dans le Congo, et comment on a le col à 20, et comment le col à VIP, pour vous t'attendre à la moutouka. Et quand on a vu ce la diaspora, il y a des malades qui véhiculent les gens qui ont des déplacements. Bobomi Congo, Bobomi Congo, jusqu'à quoi enterrer les Congolais. Valère les Congolais, nous sommes perdus. Le long Zamba, nous sommes en Valère. Tous les présidents de l'Union africaine, moi, nous sommes Congolais. Tout le monde, nous sommes tous les membres du conseil permanent, nous sommes tous les membres du conseil permanent, nous sommes tous les membres du conseil de sécurité. Tous les membres du conseil de sécurité. Mais comment vous êtes là? Est-ce qu'un homme bien éduqué, un homme qui a le civisme peut demander au président de la République un bilan pour le moment? Or, même conformément à la Constitution, le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Ça, c'est la Constitution. Et si Fridolin Mbongo n'a pas donné ses soleils, babini si calendrier électoral ouana, et la loi électorale, bandeko, mon finger a bisoté, mon pesa bisoté, ta chance pour l'andarabiso. Moi, je décourage à Bissoté parce que tout ça les veilles patriotiques. Bande Moussou, peut-être qu'il y a un électoral au Témé, il y a un autre. Bande Moussou, il y a une constitution, il y a une constitution. Que ce soit la constitution et la loi organique.
pouvoir de peser mini donation sur les wapi, fi donner à mon wapi, ya obi misagalande électoral. Alors, yope papa basi lukwebo, ozo ya, olo baete, nenge to zaliboye, esengeli nini, esengeli, tosa la recensement te, tosa la identification te poe kongo wola. Ya wana yebisi batwa, tous sont contre le président de la République. Mais sachez-le, à partir d'aujourd'hui, vous défendez Ambongo, vous défendez Outembi ou Donatien Chole, c'est bien, c'est votre droit. Mais conformément aux lois de la République, est-ce que vous avez la raison? Est-ce que le recensement et l'identification n'est pas constitutionnel? C'est constitutionnel! C'est constitutionnel, peuple congolais. Il y a un complot! Il y a un complot de l'Union européenne à travers Fridolin Ambongo, à travers Outembi, à travers Donatien Chole de l'Est de la Senouko. Coup d'état wana, baso préparé, y'a go bon président Félix Tshisekedi, y'a go sala de voies et moyens pour que toi comme en 2023 ba Ambongo ba écarter la élection. Bon kokate. Bon kokate. Na promette bilongwana. Bon kokate. Merci na bande onyo so balanda kinga. Merci na bande onyo so ba soutenir na kabiso. Merci na ba remarque na bino. Merci na ba conseil. Na chité pona koloba boy. Président de la République Joseph Fimbu. Kota la ba déclaration te au mona par exemple batti lukwe boye on a yena 14 millions oyo batiki dette na nini? Na Alexis Tambwe Mwamba. Mais yemo ko place la ki sénateur. L'article 100 de la Constitution donne pouvoir total na article 100. L'article 100 de la Constitution donne pouvoir aux députés total na article 100. Alors, il y a quand on l'a dit, Baba Tiwana, on dit, monsieur le président, tu as la dette, Oyo, Nani, Alexis Tambwe Mwamba Tikali. Mais il y a mon père, même pas sur le coup, Azalaï, sénateur. Mais l'article 100 de la Constitution dit quoi? Le pouvoir législatif est exercé par un parlement composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Le Sénat, là où Bati était comme sénateur. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le parlement vote les lois. Contrôle le gouvernement, les entreprises publiques, ainsi que les établissements et les services publics. Azala qui va perdre sa motion à contrôle, c'est lui qui a été contrôlé, à Ekotika. Mais lui, on a commis la déclaration. Alors, il y a un recensement, et il y a aussi une avoir d'élection. Alors, il y a un agent en Afrique. Si vous avez un côté, parce que les Alabato, ils ont une union sacrée. Les Alabato, ils ont une union sacrée. Tous ne sont pas d'accord avec le président de la République. Preuve à l'appui. Bamboso bangona. Si Fridolin Ambongo azui, tant qu'on benga bango. Et les invités de marque, na réunion au Ambongo avec ici ba député, na ba sénateur. Na invité de marque, c'est qui? C'est Bati Lukwebo, na Mboso. Tous contre le président de la République. Tous contre le président de la République. Et Mboso, quand il y a un peu Ambongo azui, c'est Maboko. Bati Lukwebo, pas Ambongo azui, c'est Maboko. Comme si c'est la délivrance de la République démocratique du Congo. Ok, besoin même toujours comment on a cette malédiction. Voilà, nous sommes là. Si vous pensez que Félix Tshisekedi derrière lui, c'est la majorité. Pourquoi vous êtes dans le peuple congolais? Pourquoi vous êtes même dans le peuple? Pourquoi vous avez un intérêt privilégié? Quelle disposition de la Constitution peut s'indiquer ça dans l'Église catholique qui va calendrier électoral? Na où tu as tangé la bino Constitution? Na où tu as tangé la bino la loi électorale? Pouvoir ou un PCB Libangoa? C'est ça même la violence des textes. C'est ça! Vous violez des textes! Voilà, merci beaucoup Bandeko. Toko Minasuka. Na yaki ka Nathalie Sabinoa. Fridolin Ambongo bana ko préparer coup d'État. Ne yawana abengi. Coup d'état au bazo préparé, et ça, comme ma président Félix Tshisekedi, et ça, comme l'ongolé n'a pas pouvoir, mais à organiser l'élection en 2023, basse à la sous-complot, on a pas l'ongolé président. Alors, peuple congolais, tellement, c'est ma robin, c'est la bise au ronçard, ma longue abyss, yasseni, bon ressenti, parce que Yohana, à outre Benga Nani, à outre Benga, bas député, bas sénateur, bas au bazan à foi catholique. Or que Bissot nous dit que foi catholique, et ça, la nan président à Sénat, à Zana foi catholique. Je crois que vous avez une vidéo, mais il faut donner à Mbongo à Zotia Mabok. Et ça, la présidente à chambre, à Zana foi catholique, à Bengi Bango Poaké, pour battre la dossier à Séni. À partir à Séni, Baroye Bandeni Bako écarté président de la République au pouvoir. Mais tout le monde est bien. Nous avons eu peuple congolais à témoin, peuple congolais tellement, l'été pour Mbongo Nayo,
Yaka, Félix Tshisekedi, c'est notre frère, c'est notre franc frère, c'est notre sang. Si nous sommes tous les deux, 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 et ça pour que nous venir, peuple congolais comme esclave. Combien des écoles fictives de l'église catholique? Combien de diocèses fictifs de l'église catholique? Est-ce que nous avons besoin de la bazole de la tête? Pourquoi ils sont trop pressés pour Nasseni? Pourquoi ils sont trop pressés pour la bénédiction, bazana kou ne va préparer. Alors bato baza ba proche à Félix Tshisekedi. Bato nzamba pambola, bazwa chance ya kouta na Félix Tshisekedi. C'est vous êtes là comme les aides du président de la République. Vous êtes obligé d'aider le président de la République. Et non, ya kotongaka ba immeuble bandaku pour boyer bibe que président a kolongwa te. Nzamba ko battre la tanke ne s'il faut bon. Pe boko yanga nwa. Que Dieu bénisse le président de la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le peuple congolais. Au revoir et à tout à l'heure. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Eustache Mouandi, ministre d'État, ministre des Ressources Hydrauliques, relève le défi de la libéralisation du secteur de l'électricité. Des actions concrètes. Cap sur la libéralisation de l'électricité. Installation des mandataires ARE et ANSER. Fonds Mwinda qui permettra de fournir de l'énergie électrique propre à 15 millions des Congolais. Signature contrat B-Box. Plusieurs protocoles d'accord signés dans le cadre de la mise en application de la loi sur l'électricité. Les avancées enregistrées dans les secteurs des ressources hydrauliques et électricité grâce à la vision du ministre d'État Eustache Mouandi représentent un acquis indispensable qui balise le chemin vers l'effectivité de l'amélioration du taux de desserte en eau potable et en électricité. Focus. Payer l'impôt est un devoir civique. Le directeur général de la DGI, Barnabé Mouakadi, sensibilise les assujettis. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, le ministre d'État Ribens Mikindo met en valeur les blocs pétroliers et gaziers de la RDC afin de transformer les potentialités en hydrocarbures en véritable richesse. Élection 2023, le compte à rebours de la SENCO. À lire également les portraits de Kelly Kunté, journaliste chevronné. Économie, budget 2021, moins ambitieux, plus réaliste. Culture, les tabous de l'inceste. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.